Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. C'est l'histoire du soir et ce soir, je vais vous lire « Au lit, petit dragon » de Patrick Bousquet et de Marianne Vilcock aux éditions Récréalire. Regardez ce petit dragon, il est trop chouchou. « Au lit, petit dragon. » « Va mettre ton pyjama, » dit maman dragon en caressant la joue de son fils. « Il est grand temps d'aller te coucher. » « Oh, déjà !» répond le petit dragon en ouvrant la gueule pour bâiller. « S'il te plaît, attends encore un peu. »« Pas question. Demain, je veux que tu sois en pleine forme pour ta première leçon de natation. » Maman dragon prend son petit dans ses larges pattes griffues pour le conduire dans la chambre tout au fond de la grotte. Regardez, il est trop mignon avec sa petite maman. Après l'avoir embrassé, elle lui souhaite une bonne nuit, puis regagne la salle à dévorer, éclairée d'un joli feu de bois. « Je crois qu'il va s'endormir très vite, » dit-elle à Papa Dragon. « Regardez, ils sont tout tranquilles, ils vont avoir leur soirée pour eux. » Mais à peine a-t-elle terminé de parler, qu'elle entend Petit Dragon crier dans la nuit. « Maman, j'ai soif !» Sa mère lui apporte un gros bol de lait brûlant qu'il avale en faisant de grands glouglous de plaisir. Regardez ce coquin qui veut pas dormir. Quelques minutes plus tard, Petit Dragon appelle de nouveau. Maman, j'ai froid, je voudrais un peu plus de paille sur mon lit. Voilà de la paille et de la mousse, dit maman, qui lui apporte dans un panier en osier. Maintenant, endors-toi vite. Mais à peine Maman Dragon est-elle sortie de la chambre qu'on entend « Maman, j'ai faim !»« J'y vais !» dit alors Papa Dragon. « Regardez ce petit coquin, il ne veut toujours pas dormir !» Il se dirige vers le fond de la caverne. Ses pas qui résonnent sur le sol font penser à un tremblement de terre. « Boum ! Boum !»« Quel est ce nouveau caprice » demande-t-il. « Pourquoi ne dors-tu pas, Dragonou ?» Il est très tard. Parce que, avoue en sanglotant le petit dragon, j'ai peur du noir. Un dragon peureux, s'exclame Papa Dragon. On aura tout vu. Tous les soirs dans ma chambre, continue le petit dragon, j'entends des bruits bizarres. Je suis sûre qu'il y a des petites bêtes qui sont cachées sous les meubles. Ou alors, un monstre qui profite de la nuit pour... Le papa y regarde sceptique. Hein, qu'est-ce qu'il me raconte, mon petit garçon? Mais c'est toi le monstre, dit Papa Dragon en riant. Regarde-toi dans la glace. Il te suffit de faire les gros yeux, de remuer la queue ou de montrer un peu les dents, et tout le monde s'enfuit en courant. As-tu déjà oublié tout ce que je t'ai appris pour te défendre? Non, mais répond le petit dragon qui en profite un petit peu pour se blottir un peu plus contre son papa. Regardez comme il est trop mignon. Il a envie de câlin, le petit dragon, c'est pour ça. Bon, allez, je vais quand même regarder partout, dit Papa Dragon. Mais après, tu t'endormiras, c'est promis. On entend bientôt des bruits de rochers déplacés, de rideaux tirés, de portes et de tiroirs ouverts. Voilà, dit-il, j'ai tout vérifié, sous le lit aussi, et crois-moi, ça n'a pas été facile de me baisser avec mes ailes. « Tu n'as rien à craindre !» Petit dragon se penche alors vers son papa et lui chuchote à l'oreille. « Tu plaisantes ?» répond celui-ci étonné. « Ce n'est pas du tout fait pour ça !»« Regarde !» Il lui parle à l'oreille. « Sois gentil !» insiste Petit dragon. « Juste le temps que je m'endorme. »« Bon, d'accord !» soupire Papa Dragon. « Mais attention !» Que ça ne devienne pas une habitude. Il y a des parents qui ont déjà dit ça aussi. Hein. Aussitôt, Petit Dragon essuie ses larmes, pose sa gueule sur son oreiller douillé et ferme les yeux. Regardez. Et oui, il a envie d'être avec son papa et de passer un petit moment avec lui. Alors, de la grande gueule de Papa Dragon, s'échappe une énorme flamme qui illumine toute la caverne. Et rassuré par la présence de cette lumière, Petit Dragon s'endort paisiblement en rêvant au grand lac dans lequel il va plonger le lendemain. Regardez, il crache une grosse flamme de feu et ça éclaire toute la caverne.
ce qui permet au petit dragon de s'endormir tout doucement. L'histoire a tellement voyagé à travers les siècles et tout autour de la Terre, c'est pourquoi aujourd'hui encore, en souvenir de la flamme qui s'échappe de la gueule de Papa Dragon pour rassurer son petit garçon, une petite lumière brille dans les chambres de tous les enfants du monde. Une lumière très douce et chaleureuse qui les aide eux aussi, comme le petit dragon, à s'endormir sans avoir peur du noir. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez la vôtre. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit les amours.